radio, radio. Alors qu'il y a les X-Men qui viennent d'arriver. Bonsoir messieurs, mettez-vous à l'aise, petit casque, microphone. Tout est bon. Alors là, 22h07, hein, c'est, voilà, ils viennent d'arriver. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Bah, moi, nous, tout va bien. Vous avez écouté un petit peu avant? Pas du tout. Non, on vient d'entrer. On vient d'entrer, voilà. Dans ce qu'on, voilà, on va peut-être dans Paris Brooklyn, non? On le dit, émission rap de la web radio. Voilà, Paris Brooklyn. Alors, voilà. Salut. Donc, on a parlé de l'actu rap français, l'actu rap américain. Et vous nous tombez à pic, parce qu'on est tombé de votre projet. Donc, c'est le bon moment, j'ai envie de dire. Et donc, on vous présente. Il y a Il qui est présent. Il, a.k.a. Il G. Exactement. Avec my man. Ye, Cassidy, a.k.a. Al Simons, Cassidy Nero. Le duo. Ouais, c'est ça. Qui est présent et qui vous êtes là donc, pour votre projet, un EP. Ouais. Qui est sorti le 9 octobre, si je ne m'abuse. Tout à fait. Du nom de Modus Operandi, je le dis bien. Modus Operandi, ouais. Et c'est du latin, non? C'est ça. Mais c'est très employé. J'ai fait des cours de latin un petit peu. Ouais, voilà. Justement, voilà, à l'heure des réformes scolaires, où ils veulent dire le latin. Voilà, on un peu de latin. Alors qu'on s'en fout, hein, Moment. Bon, mais. Tu veux dire? Non, mais quoi que non. Parce que c'est toujours bien d'avoir des sources sur les langues pour pouvoir comprendre les mots actuels, etc. etc. Et comment le langage est formé. Mais modus operandi, parce que ça veut dire déjà mode opératoire, donc façon de faire, hein, bien sûr. Ou bien un beau titre. Tu vois, bon, voilà, bon, merci. Façon de faire. Et modus operandi, parce que c'est un mot, en fait, une expression très utilisée dans le langage judiciaire pour décrire le mode opératoire, la façon de faire d'un criminel. Et étant donné que nous, ces jeunes coupables et libres X-Men en 98, c'est logique, de, selon notre hymne d'oppressé, enfin, c'est ce qu'on se dit, de représenter un peu aussi les opprimés. j'espère. Et donc, forcément, modus operandi, ça va avec le fait qu'on est des criminels du flow, des criminels linguistiques de l'expression. C'est très bien dit. Donc, modus operandi. Alors, Wikipédia n'aurait pas fait mieux. Hein. Mais c'est pour dire que c'est très utilisé, vous avez remarqué, dans les langages pendant judiciaires. Dexter, peut-être. Dexter, ouais. La huisse, là, bon. Il y a Dexter, exactement. Mais il y a quoi aussi? Voilà, les avocats l'utilisent très souvent, tous les jours, en fait, de manière normale, dire mode opératoire. Ils disent modus operandi. Même dans, en fait, entrer accusé, vous avez vu, c'est ça, c'est modus operandi. Grande émission. Mmh. Dit de manière normale, mais souvent les gens se demandent, tiens, en fait, c'est quoi ça? Mais ils le disent tout le temps. Mode en fait, opératoire. C'est mode opératoire. C'est tout. Ça passe devant nous, mais on le voit pas parce qu'on s'en fout un peu, mais quelque part. Mais oui, c'est vrai que. Voilà. Et donc, c'était un projet qui vient de sortir, mais ça fait longtemps qu'il est annoncé quand même. J'ai vu. Plein de fois, ils disaient, enfin, je vois des articles, l'album qui est annoncé, qui sort. En fait, on l'a annoncé depuis 99, je crois. Voilà. C'est ça. Votre premier album qui était sorti, c'était en 98. Le premier album, 98. Mais la première fois qu'on a entendu parler de nous, c'était 96. Voilà. Qu'on a pu faire un album, c'est 95 même, je crois. 95, ouais. 95, J'attaque du mic, Time Bomb. Ah, j'ai 96, moi. Mais bon, cette époque-là. Il y a eu Hostile aussi. Il y a eu Hostile aussi, justement. Tout ça. Et c'est suite à ça qu'on a pu faire un album en 98, c'est ça. J'ai eu des fausses dates. Voilà, sorti en janvier 99, en fait. Voilà, j'ai eu des fausses dates. On est là pour établir notre vérité. Mais voilà, c'est parfait. Et donc, depuis, on n'a pas fait de projet. Voilà, on n'a pas fait de projet. On avait annoncé des choses, merci. Pour l'eau. Et on a de l'eau qui est servie en plein direct. On aime bien. C'est 5 étoiles ici, hein, voilà, faut le dire. C'est de l'eau. Non, non, c'est normal. Mais. Mais c'est bien de l'eau. Non, c'est très très bien. Non, c'est parfait. Non, sérieusement. Mais on a fait ce projet là depuis. On a surtout annoncé qu'on allait faire quelque chose à partir du moment où on se disait vraiment qu'on allait le faire. Comme ça, on sait comment ça se passe. Hein. On sait pas quand est-ce que ça va sortir, quand est-ce que ça va être fait. Mais au moins les gens savent déjà qu'il y a un projet qui est lancé, même s'il n'est pas sorti. Au moins ça rappelle qu'il y a un truc qui va se passer. Si jamais certains ne veulent pas entendre parler d'X-Men, ben nous on fait des départs, comme ça reste en vie au cas où. Ah, mais c'est important quand on reste en vie, quoi. Sinon, voilà. Ça c'est chiant.
Mais j'ai lu, alors est-ce que c'est vrai, que votre premier projet, vous l'avez fait en 3 semaines. C'est vrai. Ouais, je ne coupe pas Bélier. Je ne coupe pas Bélier. En 3 semaines, c'était réglé. Ouais. Ouais, parce qu'on a écrit sur plat. Si. On a écrit texte, mixage, tout. Oui, oui, tout. Parce qu'en fait, on a tout écrit. Moi, je dirais 2 semaines, il me semble, je sais pas, trois semaines. Comme ça, il y a une pause. On a écrit tout sur place. On a enregistré, on a écrit. Tu vois, par exemple, on écrit des trucs, tac. D'abord, on écoute le son, on choisit pas. En général, on choisissait. Comment on était signé, bon, on a essayé d'aller un peu vite. Ça veut dire que c'était pas notre manière de travailler habituellement. Donc, on était plus. On finit ça vite. Donc, on écoutait les sons de Géraldo. Donc, on en prenait quelques-uns, quelques-uns pas. On écrivait sur place, on enregistrait le jour même. Et normalement, on faisait à peu près un titre par jour. Ça le truc. On faisait un titre par jour. En 2 semaines, on a fait l'album. Ouais. À ce rythme-là. Ouais, voilà. Tu vois, on écrivait ce qu'on avait sur place sur le moment. On se creusait la tête. Hein, on faisait ce qu'on pouvait au maximum. Et vous aviez fait pareil. J'ai cru voir aussi dans le. Je voulais bien tout par rapport à son album, du coup. Le titre Retour aux Pyramides, le classique. Oui, ça, on l'a écrit. J'ai lu. Je crois que c'était. Toi, en interview, tu disais que vous l'avez fait en 1h30, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça, franchement. C'est ça, parce qu'en fait, on a écrit. En 1h30, vous avez fait. Et je crois que ni l'un ni l'autre n'avons posé plus d'une fois, il me semble. Hein. N'avons fait autre chose que du one shot pour lire ce qu'on avait écrit, en fait. Donc c'est-à-dire qu'on avait écrit, on avait posé, on était parti. Donc là, non, ça s'est bien passé. Ouais, vous aviez l'alchimie parfaite sur Retour aux Pyramides. Ouais, mais pas que. Oui, apparemment, c'est le morceau qui était plus que les autres, apparemment, que Pandélé, que Justifiable et J'attaque du mic. Bon, enfin, pour certains, c'est toujours d'autres morceaux, mais ce morceau, parce que oui, c'est vrai, il est un peu spécial. On était vraiment à fond dans une petite pression d'être chez des gens qu'on connaissait pas à l'époque, avec les Spirits. Enfin, dans le sens où on arrive là-bas, on connaît pas les gens, enfin ils sont que deux, hein, c'est deux frères. On les salue, tiens. Et on était on s'est mis donc dans le studio, on s'est mis à écrire vite fait, on a posé le truc, nous avait fait écouter le morceau avant, on avait dit d'accord sur ensemble, je crois, des dossiers de l'écran. Et voilà. On a fait ça comme ça. À l'époque, on était entraînés. On était vraiment dedans. On est toujours entraînés d'ailleurs. C'était la continuité. Et du coup, avant ce projet, vous l'avez fait. C'était plus long pour le faire. Vous l'annonciez. Mais du coup, les sons qui sont présents sur le projet, vous les avez fait combien de temps? On a pris le temps. Là, on n'était pas dans une logique de faire un titre rapidement. C'est-à-dire que, comme t'expliquais, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Enfin, du moins qu'on en parle. Et à partir du moment où on a décidé de se mettre sur le projet, on a pris le temps d'écrire. Et pour ça, j'ai envie de te dire, ça a pris à peu près le même temps, c'est-à-dire que quand on a le morceau et quand on a les paroles, on prend pas trop de temps. Mais là, je te dis, on n'avait pas de pression de temps. C'est vrai. On était dans nos locaux, tranquille, donc on a pu prendre le projet et faire les trucs comme à notre manière, vraiment à 100%. Et encore, on pense vraiment faire davantage. Ce n'est que le début. C'est l'apéro, quoi. On espère quand même pas, parce que sinon ça veut dire qu'on a fait un petit truc vite fait. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas vrai. Comment dire? Non, franchement, comme tu avais dit, ça a l'air des choses. C'est une palette, c'est notre palette pour peindre notre tableau. C'est vraiment les couleurs. Parce qu'il n'y a que 8 morceaux, c'est il y a 8 morceaux, tu vois, c'est pas beaucoup. Tac, 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 tac. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Non, enfin, c'est ce qu'on se dit pour faire la suite, en fait. Ouais. C'est les couleurs pures. Enfin, normalement, on va comme on peut, parce que ça y est, c'est fait, on peut pas faire mieux, c'est que ça. Tout est là. Bien d'accord avec celui-là, nous. On le défend, on est bien content, parce que comme disait Cass, on a tout fait. Donc normalement, les X-Men, ils vont pas disparaître 10 ans. Non, on va les revoir dans ça maintenant. C'est pas le projet. C'est une deuxième carrière qui commence là pour vous ou... Non, c'est la continuité. C'est la continuité de la première. Mais je vois ce que tu veux dire quand tu dis deuxième, c'est que. C'est qu'en fait, il y a eu un gros temps d'interruption entre la première et la deuxième. Là, vous arrivez avec visiblement la volonté d'enchaîner derrière sur un album ou sur peut-être un autre projet, en tout cas. Ouais. Donc, on a l'impression que cette fois, presque, vous êtes complètement lancé et ça y est, vous. Oui, parce qu'en fait, comme on refait quelque chose là, ça veut dire que quelque part, le temps qui est passé a été accumulé un peu. Donc, on peut dire qu'un EP ne peut pas suffire pour retraduire les années qui sont passées ou l'envie de faire quelque chose musicalement. Ça, c'est pas encore avec un 8 titres qu'on a fini d'avoir faim. Donc là, ça annonce, on va dire, peut-être un album ou une mixtape. Au moins quelque chose comme ça. Un double album. Quelque chose, au moins encore quelque chose de travaillé. Et Alborz, je crois que tu avais une petite question. Je t'ai vu lever le doigt. Non, si on parlait de séance studio tout à l'heure, je voulais savoir comment ça se passe un peu une séance studio avec vous. Est-ce que c'est, on arrive, il y a le bédo, on se tape le McDo, après on va en cabine, ou est-ce que c'est le McDo le moins possible? Le moins possible. Pas trop, parce que nous, on veut de la bonne énergie pour enregistrer, parce qu'il faut tout mettre toutes les chances de son côté. Donc, c'est pas pour détruire
détruire McDo, même si je m'en bats les couilles. Mais ouais, McDo, c'est vraiment. C'est force de manger. Quoi. C'était ça le sujet ou pas? Non, c'est vrai, c'est important. Plus que ça. Le style en studio, c'est comment c'est plus posé, c'est on fait, on pose. Ouais, c'est à peu près ça, avec le McDo moins souvent. Le Bédo, c'est vrai que ça peut exister. On se détend, quoi, avant d'arriver, voilà. Forcément. Ouais, on se détend de plusieurs manières, où on parle, où on parle pas, où on fume, où on boit un peu d'eau. Parfois même d'eau avec des degrés, parfois on joue un peu à la console un tout petit peu, mais ça c'est rare. À la console, c'est très rare, plus au ping-pong, là parce qu'il y a une table et tout. Baby foot aussi. Non, oui, on a fait une fois, mais il me fume grave. Ça veut dire que ça sur hors portée, ça vite fait, je pense. Ouais, non, mais moi je suis pas. Ou une belote aussi, en, aussi. En baby foot. Non, bataille. Ouais, la belote, ça on peut te la laisser, mais ce que je veux dire, garde. Ouais, tranquille. Avec plaisir. Qui sort tous les jeux, qui en tête, mais. C'est normal, c'est ton taf, t'as intérêt, parce que sinon on va dire que vous trouvez que t'es un peu fade, et ça c'est pas normal. C'est donc, ça, non. Oui, voilà, merci. Mais. C'est le pire. le pire critique. Ouais, exactement, je suis d'accord. Fade, alors ça, je me suicider juste après. Ouais, ouais, mais c'est pas le cas, ça va, ça va. Vous, merci. Vous savez comment je soigne, mais. Bon, merci beaucoup. J'espère que c'est honnête. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, on sent bien, on est bien là. C'est vrai. Voilà. On est très bien dans cette cave. Mais attends. Cave avec table feutrée, on dirait un billard. La touche humoristique, ensuite, du mur en haut, mais en fait, elle était travaillée de manière design. Exactement. T'es pas sniper pour rien. Une télé pas mal, écran où on se voit dedans. C'est vrai. un autre écran avec et une bouche pulpeuse et des ailes autour. Un truc a écrit on air. Non, vrai, c'est un vrai truc de studio. Non, ça va. Ah, ne faut pas vous. Vous dénigrez, si vous cherchez bien l'origine de ce mot, il est dégueulasse. Vous dénigrez de la sorte.